Alors, à l'époque, les instruments utilisés dans l'orchestre français, c'était les instruments Selmer pour les corps, entre autres. Donc ça, c'est un instrument Selmer, un instrument ascendant. Deux spécimens. Deux spécimens d'instruments ascendants. Voilà. Et pour les cantins, c'est des instruments descendants. C'est des instruments à piston, comme on peut le voir ici. Contrairement aux instruments à barillet rotatif, ça donne une sonorité un petit peu plus claire et c'est le passage entre les notes est du coup un peu plus net et voilà, que sur le barillet rotatif. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Non, juste que justement on joue deux instruments de fabrication Selmer et que ce sont les instruments français évidemment, comme disait Mathieu, et que maintenant ce système n'est plus du tout utilisé sur les corps en fait, système à piston, et qu'il n'y a plus de facteurs français qui fabriquent des corps. Donc ces instruments ont une sonorité un petit peu plus claire que les instruments modernes, parce que le tube est plus fin, et puis les pistons font que c'est plus précis le son, et alors que maintenant on cherche quelque chose de large et de puissant, et ça c'est plutôt fin et acéré comme sonorité. Voilà. Nous avons trouvé trois instruments du début du siècle, même s'ils sont de marques différentes. Il y a un petit Bouville-Lamy, il y a une trompette Courtois, une trompette Selmer. Trois facteurs français. La longueur de trompette par rapport à celle d'aujourd'hui, c'est la même, ou quasiment. Cependant, la perce est beaucoup plus petite pour une meilleure précision, pour des sons un petit peu plus... Comme disait Berlioz, la trompette sonne comme une épée flamboyante au fond de l'orchestre. C'est ce qui permettait d'avoir cette qualité de son et un petit peu plus de précision. Alors la différence par rapport à notre trompette moderne, eh ben, c'est tout simplement la perce. Sur notre trompette d'aujourd'hui, la perce est beaucoup plus large, le pavillon beaucoup plus large. Voilà. Et donc la sonorité ? Donc sur cet instrument, la sonorité est beaucoup plus claire. On peut cuivrer beaucoup plus facilement sans souffler plus fort. Et voilà. Nous avons trouvé tous les trois instruments de la même marque. C'est donc une marque Courtois. Voilà, la marque Courtois, Maison Courtois, qui existe depuis 1803, je crois, quelque chose comme ça. Et donc on est sur des instruments vraiment tout début 20e, puisque celui-là est 1911. Entre 1900 et 1905. Voilà, exactement. Donc on est tous dans la même... voilà. Et exactement comme les corps, on est sur la même idée, c'est-à-dire que ce sont des instruments plus petit de perce, donc avec un son beaucoup plus clair et beaucoup plus précis au niveau des attaques. Et donc là, on a deux trombones courtois simples, et là, on a un des premiers systèmes courtois basses avec un système de valve, voilà, pour faire des notes plus ou moins difficiles dans le grave. L'instrument est nettement différent aujourd'hui par rapport à ce qu'on a pu connaître dans les années 1900, que ce soit de l'embouchure jusqu'au pavillon, puisque la perce est vraiment beaucoup plus petite, plus fine, et donc que ce soit l'embouchure avec des embouchures complètement coniques, et les embouchures sur lesquelles on joue aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus incurvé pour essayer de trouver une rondeur. Et donc, voilà, en France, on joue des embouchures très très coniques.
et puis petit à petit, en fait, l'instrument s'élargit, mais vraiment très très peu par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, puisque plus on avance dans le temps, plus les pavillons sont de plus en plus larges.